Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malexsgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Voilà, les résultats des groupes, on va parler des groupes maintenant. Des IEM Katowice. On a Gambit qui a éliminé G2. Vitality a été éliminé par Virtus Pro. Pour Vitality notamment, depuis ce début d'année, c'est moyen. Et j'ai même envie de dire, depuis la fin d'année 2020, c'était moyen. Si on fait le focus que sur ce début d'année, on a deux blasts. On a deux blasts où on ne fait pas des résultats exceptionnels. Et là, les IEM Katowice, où on ne se qualifie pas en phase finale. Et où on est éliminé par Virtus Pro. Donc une équipe qui est à notre portée. Je dois pas, on va pas dire qu'on est censé les tartiner, qu'on est censé les éliminer, les exterminer, les exploser, les ridiculiser, les humilier. Bref, choisissez le synonyme qui vous conviendra le mieux. Mais on est censé quand même les battre. C'est une équipe à notre portée. On est censé avoir des joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés, qui coûtent plus cher en termes de salaire, qui coûtent plus cher à l'achat également, comme des Shocks, etc., qu'on a pu payer. On a Ziwu, le meilleur joueur du monde, qui malheureusement ne brille pas autant que qu'il en a l'habitude, j'ai envie de dire. Pas dans le sens où il sous-performe, parce qu'il a des ratios très corrects, mais... Voilà, on attend de Ziwu des trucs exceptionnels. RPK, je ne suis pas grand fan de ce qu'il est en train de nous proposer ce début d'année. Donc, on va faire un petit focus. Vous allez voir très rapidement. Je vais vous montrer Vitality en détail. Donc, on a commencé les IEM Katowice par le premier match contre OG qu'on a remporté 2-0. Alors, moi, je ne suis pas le colonel méchant tout le temps à taper sur les doigts de tout le monde, mais on a battu OG. OG, c'est une équipe qui est moyenne, qui est irrégulière. On l'a battu, tant mieux, mais on ne va pas féliciter Vitality d'avoir battu OG. Je suis désolé. Donc, on les bat 2-0. Difficilement sur Nuk, mais donc on les bat, voilà, on les bat et on passe à la suite, voilà, on passe à la suite. Donc derrière on va faire notre match contre Liquid, et là pour le coup Liquid, je vais m'attarder sur les maps. On commence sur Nuk, ensuite on va sur Vertigo et on enchaîne sur Mirage. Le pic qu'on remporte, c'est Nuk, c'est normal, on commence sur notre site CT, surtout que c'est une map également forte de Vitality qui est appréciée par les Français depuis quand même leur début de la création du projet. Et derrière, on va sur Vertigo. On s'est fait complètement exploser. Alors, j'ai été surpris parce que moi, j'étais confiant. Je trouve justement que Vitality sont exceptionnellement bons. Justement, moi, je les trouve vraiment très bons sur Vertigo. Et on n'a vraiment pas été bons dessus. Et là, moi, derrière, c'est Mirage. Sur Mirage, on était des bots. Voilà, je comprends encore pas comment on a ce mapool. Je comprends même pas comment Vitality ont encore ce mapool. Il faut vraiment aller jouer train. Il faut vraiment aller faire d'autres trucs sur d'autres cartes. Voilà, on est extrêmement mauvais, sur Mirage. Je ne le trouve pas exceptionnel sur Inferno. Il y a des maps où on est vraiment plus que moyen. D2, c'est une map 50-50, que vous le vouliez ou non. Que Vitality soit bon ou pas sur D2, t'as quand même Big qui sont forts dessus, t'as Astralis qui sont forts dessus, t'as Navi qui sont forts dessus, t'as plein d'équipes, Virtus Pro qui sont forts dessus, t'as plein d'équipes qui sont bons également sur D2. Donc je trouve qu'il faudrait vraiment... remodifier le mapool, aller beaucoup plus loin, je sais pas, prendre des gens à contre-pied, aller sur train, surtout que Ziwu, c'est un joueur qui affectionne particulièrement train, très certainement qu'avec Nivera, ça peut être exceptionnel aussi, hein, Nivera, Ziwu, double sniper sur train, je trouve qu'il y a, y a vraiment quelque chose, on peut aller chercher quelque chose, et je trouve qu'on est vraiment pas ouf. Et donc, bon, on perd contre Liquid, donc on va en loser bracket. En loser bracket, on enchaîne notre match contre Virtus Pro, qui est éliminatoire, je le rappelle, et on se fait battre 2-0. Alors, c'était un match vraiment difficile, bah, justement sur Inferno, mais il faut savoir qu'on a comeback. Il y a eu 19-17, mais on a comeback. Il y avait quand même 15-11, je crois, pour Virtus Pro. Voilà, je crois que c'était 14-10 ou 15-11. Et derrière, t'as Ziwu, le 15-12, 15-13, 15-14, t'as Ziwu qui fait des entries, qui fait des redirections sur lui, enfin, exceptionnel. Ou Jaime, il a été mauvais de ouf. Lors de ce match, il était mauvais en A et t'avais Ziwu qui s'infiltrait, qui était dans le boiler ou des trucs comme ça et qui faisait des exploits individuels. Et on va chercher notre overtime, mais on craque pendant notre overtime et on perd. Et derrière, on va sur Overpass, qui est le pic de Vitality, et je nous trouve mauvais sur Overpass. Et c'est pas... c'est historique. Je nous trouve pas bon sur Overpass. Notre side terreau, en tout cas, est mauvais sur Overpass. Notre side CT est bon, mais on peut pas non plus commencer CT tout le temps. Vu que c'est le pic de Vitality, eh ben on va
va forcément... Quand une équipe choisit sa carte, pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe adverse choisit le side. Ça veut dire que si Vitality choisit Overpass, bah, l'équipe comme de Virtus Pro va choisir de commencer CT. Et tu peux très bien te prendre un putain de mur contre des équipes comme ça. Et donc on s'est fait dominer sur Overpass. On a perdu 2-0 contre Virtus Pro, une équipe qui est largement à notre portée, j'ai envie de dire. Et on est éliminé de ces IEM Katowice. Voilà notre parcours. Voilà notre parcours. Je vais même aller plus loin et vous montrer l'historique de match de Vitality sur ce début d'année. Voilà, depuis ce début d'année, on est là. Non, c'est faux, on est là. Voilà, on a joué, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs officiels. On en a gagné 3. Voilà, on a gagné 3 matchs officiels sur les 9. Et on perd contre du Complexity qui est à notre portée. On perd contre du Virtus Pro qui est à notre portée. On gagne contre OG. On gagne contre Liquid qui venait à peine de se reformer à ce moment-là. Donc, je ne vais pas dire que ouais, c'est super, on a battu Liquid. Ils venaient à peine d'intégrer Fallen et ce genre de choses. Et Complexity, là, on les battait parce qu'ils avaient un last, je crois qu'ils jouaient avec je sais plus qui. Jugi, je crois que c'était Jugi. Il y a moyen que c'était Jugi. Bref, voilà. Ça, c'était mon parcours de Vitality. Et c'est pour vous expliquer que je trouve qu'on est dans la continuité. Voilà, je trouve qu'on est dans une régularité de médiocrité. On n'est pas dégueulasse, on n'est pas immonde, on n'est pas pourri, on n'est pas nul à chier. On est médiocre, on est moyen et on dépend de Ziwoo. Voilà, et je vois que le jeu a changé, tout le monde voit que le jeu a changé, tout le monde voit que le jeu est beaucoup plus, entre guillemets, homogène, beaucoup plus teamplay, on compte beaucoup plus sur les individualités de tout le monde, plus que sur une seule individualité. Moi, j'apprécie pas. Voilà, j'apprécie pas. J'apprécie ça de la part d'Astralis, parce que c'est une équipe qui arrive à le faire. Aujourd'hui, si tu comptes sur les individualités de tout le monde, tu peux pas faire ça avec des joueurs aussi inexpérimentés que du Mizuta, que du Nivea. Bon, à croire que Nivea, franchement, il tire son épingle du jeu. Mais RPK qui a clairement de l'expérience, mais pour moi, qui a des lacunes. Il a des lacunes, donc pour moi, compter sur des initiatives, des changements de rythme de sa part, des prises de décision de sa part, à RPK, hein, je veux dire, pour moi, c'est limité. Compter sur des individualités comme Mizuta pour prendre des décisions, prendre des initiatives, pareil, c'est limité. Aujourd'hui, tu as deux mecs qui sont capables de parler dans cette équipe, c'est Apex et Shox. Peut-être un peu Nivera, je le connais pas, mais je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez discret et tout. Donc, je suis pas un fan du jeu que je vois de la part de Vitality de manière générale. Voilà, et j'évite de faire des analyses. Voilà, je vous le dis, j'évite de les faire parce que je me fais bâcher tout le temps. En mode, je suis un haineux, je suis désolé. Je vous montre depuis le début d'année ce qu'ils nous proposent. C'est moyen. Et il n'y a pas d'analyse depuis ce début d'année parce que j'ai pas envie de faire de review et de me faire insulter. En mode, t'es un putain d'haineux, tu fais que des vidéos où ils sont nuls ou je sais pas quoi. Ah, ils sont moyens de manière générale. Je vais pas attendre qu'ils mettent 16-0 à des mecs pour faire des analyses. Donc ouais, j'en ai un peu marre de me faire harceler, je vais pas vous le cacher. Et voilà, on passe à G2. Voilà, G2 aussi, qui est une catastrophe. Voilà, on va parler de G2 aussi, parce que Vitality, on aime bien leur taper sur le cul. Mais maintenant, c'est le moment de la fessée pour G2 aussi. Alors, G2, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les copains? Eux, pareil, ils ont commencé le match justement contre Spirit. Et Spirit les a tout simplement explosés. Et sur Train, on perd 16-14. Je pense qu'on aurait dû même gagner Train, mais on perdait des 2v4 incroyables, des gesteurs qui a été exceptionnel. Chez Spirit, leur sniper... Attendez, on va aller voir les scores. Ouais, Degester, il a fait 24-14, il nous a, mais genre, démoli, il a retourné KNIS, frère, c'était n'importe quoi. Je voyais un peu de frustration dans les cams de Nico et ce genre de trucs. Donc, je sais pas pour G2, surtout que là, l'équipe est là, il y a du Nico, il y a du... Voilà, tout le monde est réuni, on en a pour tout le monde. Là, chez G2, il y en a pour tout le monde. Il y a Nico, Hunter, Nexa qui sont contents, ils sont unifiés, hein, voilà, on les a mis tous ensemble, tout le monde a des bons salaires et je sais pas quoi. Je suis absolument outré, hein, voilà, dégoûté du jeu aussi proposé par G2. Voilà, c'est pareil, c'est de manière générale et je fais pas d'analyse dessus parce que j'ai pas envie qu'on me démolisse. Et pour le coup... j'aime pas KNIS. Le KNIS que je vois depuis 3-4 mois, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je trouve c'est un support, c'est une pute, j'aime pas ça.
Pour moi, Kenny S, c'est un star player. C'est un putain de simple. C'est comme ce que je vous disais sur Vitality tout à l'heure. Le 1-1-1, compter sur les individualités, on compte sur tout le monde, on met des flashs. Ça veut faire du jeu à l'Astralis. On n'est pas capable de le faire, on arrête. Au bout d'un moment, tu as des stars qui peuvent briller. Bah, tu te sacrifies pour elles. Donc, il faut se sacrifier pour Zewu. Et il faut se sacrifier pour Kenny S, je pense. Pour moi, c'est un joueur qui a un talent. En termes de sniper pur et tout, mais là je le vois flasher, je le vois tenir des lignes pendant que Nico il s'infiltre, pendant que Hunter il fait ses moves. J'aime pas le jeu que je suis en train de voir, personnellement ça ne me plaît pas. Je vois l'idée où est-ce qu'on veut nous mener, je vois que c'est le jeu que j'apprécie voir de la part de FaZe, de la part de Astralis, mais ça ne marche pas avec nous. Et pour le coup, je trouve que Kenny S est immonde, dégueulasse, ridicule depuis le début de cette année. Et je pense que c'est lié au schéma tactique, voilà, au schéma tactique utilisé. Je trouve qu'il pue la merde. Voilà. Donc, Kenny, je sais pas, frère. Le staff, parlez-vous, le lead, je sais pas. Nexa, là, il lead pas. Je sais pas. Il y a un truc qui ne me plaît pas dans le jeu, de manière générale. C'est même pas une question de Kenny est mauvais. C'est Kenny ne peut rien faire, en fait. Il est 2v, ou alors il tient les lignes pendant que tout le monde se fait pique. C'est pas ce que j'aime. Voilà, c'est vraiment pas du jeu que j'aime bien. Donc on se fait éclater par Spirit. Derrière, on va en loser bracket. Vous avez encore compris le schéma. Et là, plus droit à l'erreur. C'est tout, tout est éliminatoire. Donc on bat big. Voilà, 16-10, 16-12. Ouais, super. Voilà, donc là, t'as une équipe à 1 million d'euros qui bat big. Voilà, super. Tu veux quoi? Que je t'applaudisse? Tu veux des bonbons? J'en ai rien à foutre. Big, tu prends, tu balayes. Encore une fois, je suis pas là, moi, pour féliciter des joueurs qui sont payés, je sais pas combien, qui te parlent de major, qui te parlent de gagner des majors, qui ont, entre guillemets, des attentes bien plus élevées que celles de big. Moi, tu me tartines big, je te félicite pas. Merci, au revoir, c'est dominé. Ciao. Et encore une fois, on voit Nico on fire. On voit un Nico on fire. Là, Kenny, il a tenu un peu la baraque. Mais on voit un Nico on fire parce que j'ai vraiment l'impression que le jeu tourne autour de Nico. C'est clairement le star player, c'est clairement lui qui bait toute l'équipe, qui rush contre de l'écho, qui va s'infiltrer sur les zones, qui demande de l'activité ailleurs pour que lui profite un petit peu des espaces. Donc moi, ce genre de player, ça me plaît pas. C'est du happy en Broly, tu vois. C'est happy qu'aurait mangé un Senzu ou un fruit du démon, il s'est transformé en Luffy, frère. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, c'est ça, en fait. Là, Nico, il bait à outrance. Et... Après, il casse des têtes, hein, mais c'est pas du schéma que je veux. Moi, c'est pas le schéma que je veux. Derrière, on bat EG. Donc, EG, 16-14, 16-14. Donc, c'était vraiment très difficile pour le coup. Mais Train ont dominé. Train ont dominé, attention. C'est EG qui a un peu comeback et tout. Donc, pour moi, c'était un match maîtrisé. Et sur D2, ça part à notre avantage, encore une fois. Avec justement Kenny S qui a été exceptionnel sur D2. Map de sniper, grande ligne, une de ses cartes peut-être pas favorite parce que je pense qu'il excelle peut-être un peu plus sur Inferno. Je pense qu'il est un peu plus allé sur Inferno. Mais il a été exceptionnel. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez bien qu'il a été très bon Kenny S. Et pour le coup, je n'aime toujours pas ce qu'il nous propose. En choix, je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Et je ne ferai pas d'analyse. Je ne ferai pas d'analyse parce qu'on va m'insulter. Derrière, le dernier match. Voilà, le dernier match. Et on perd contre Gambit. Et attention, On perd. C'est pas 16-14 et tout. Hein. On s'est vraiment fait dominer. On s'est fait cadenasser par Gambit qui est exceptionnel. Shiro, il est trop fort. Hobbit. Venez, on parle de Hobbit. Hobbit, il a gagné un major avec la line-up Gambit de base. Il est parti jouer avec Gambit Youngster pour les former un peu, pour leur apporter un peu l'expérience. Imaginez que le mec, il a baissé sa culotte, voilà, il faut dire les choses, il a baissé sa culotte, il a mis son ego de côté, il est parti jouer avec des noobs, parce que les gens pensent comme ça à ce niveau-là. Ils veulent pas se rabaisser à jouer avec l'équipe Academy. Tu vois, toi, un jour, Shox jouer avec Vitality Academy et les reformer, ce genre de choses. C'est ce qui s'est passé avec cette équipe. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est exceptionnel. Et donc Hobbit, champion de major, très très bon, très efficace dans cette équipe, très certainement qu'il a le respect de ses coéquipiers, très certainement qu'il a la confiance de ses coéquipiers, et que lui se sent confiant, se sent bon individuellement, et il performe comme il faut. Et il a des pépites à côté de lui qui sont exceptionnelles, et il propose un niveau de jeu, vraiment, c'est extraordinaire le niveau de jeu que proposent des équipes comme Gambit, alors que l'investissement économique autour de ça, c'est zéro. C'est zéro de chez zéro.
C'est une équipe académie. Et elle est là en phase finale des IEM Katowice à te sortir des Vitality, à te sortir des G2 qui ont investi des dizaines de millions dans les projets. C'est extraordinaire. Et là encore, on va faire l'overview de tout le projet entre guillemets G2 depuis ce début d'année. Hein. Et voilà, voilà, on est là, et voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hein, on a joué 13 matchs, 13 matchs, on en a gagné, pareil, voilà, on en a gagné que dalle, on a gagné que dalle, on fait que perdre, voilà, donc Vitality et G2, c'est la loose de chez la loose.